penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Encore un privilège que nous nous retrouvons ce matin. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu, éternel Roi, nous te disons merci encore en ce matin, en unissant de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et saintes du ciel. Éternel Dieu, éternel Roi, il est bon, il est doux que nous puissions demeurer dans ta vérité tout entière, unis les uns aux autres, de part et d'autre. En ce matin encore, dans ta présence, nous voulons tout simplement laisser parler nos cœurs. Te dire merci, éternel Roi, pour cette nuit paisible que tu as donnée à tout un chacun. Te dire merci d'avoir parlé à nos cœurs et à nos âmes. Te dis merci parce que tu as parlé et tu es venu renouveler nos pensées. Te dis merci pour ce matin que tu donnes à tout un chacun de nous. Là où beaucoup auraient voulu certainement te louer, te magnifier, à nous tu nous donnes ce privilège-là. Non pas par mérite, mais par pure grâce et par pure miséricorde. Voilà pourquoi Seigneur, reçois notre action de grâce encore en ce matin. Reçois notre reconnaissance, le merci de nos cœurs, pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie. Te dis merci pour nos yeux, te dis merci pour nos bouches qui te louent, pour nos oreilles. Te dis merci pour nos mains, pour nos pieds, pour nos cœurs et nos âmes. En ce matin également, avec mon frère, avec ma sœur, nous te disons merci pour nos familles que tu réveilles, pour nos enfants que tu réveilles, pour nos nations, éternel Dieu, qui se réveillent aujourd'hui dans ta paix, dans ta joie, remplie de ton amour encore. Nous te disons merci également pour ces différentes nations, Seigneur, où ta main est posée. Merci, éternel Dieu, éternel Roi. Tu nous donnes bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Voilà pourquoi nous croyons qu'en ce jour où tu nous donnes encore, tu mettras toute opportunité à nos pieds. Tu nous donneras de pouvoir entrer en faveur de toutes les grâces et bénédictions que tu as prévues pour tout un chacun de nous en ce jour. Alors bien-aimé, de là où tu es, que tu puisses élever ce cantique avec moi. Amen. Se fasse dans chacune de nos vies. En ce matin encore,
actions de grâce, avec nos soupirs et nos cris, qu'ils parviennent jusqu'à toi, afin que te plaise de nous bénir. Donne-nous également, Abba, l'audace de pouvoir dépasser toute forme de difficulté qui se présentera à chacun de nous. Permets que nous puissions mener à bien tout travail qui nous sera donné en ce jour. Amen. De par nos simples pensées, tu nous combles de tes biens, tu nous combles de tes bontés, tu nous combles de tes merveilles. Voilà pourquoi il convient que nous puissions, Seigneur, élever cette action de grâce au devant de ton trône. Il convient que nous puissions élever cette louange-là au devant de ton trône, accompagnée de Marie, notre mère. Il convient que nous puissions nous arrêter un instant de notre vie pour simplement observer tout ce dont tu nous donnes chaque jour. Parce que dans ta parole, tu dis que tes bontés se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est avec une âme reconnaissante que nous te magnifions, que nous te glorifions et nous te célébrons en ce matin. Bénis tout un chacun de nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos travails. Bénis nos foyers. Bénis nos familles en ce matin. Bénis toutes les nations en ce matin. Nous t'en prions, Abba. Bien au-delà de toutes nos attentes, bénis tout un chacun de nous. Dans ta vie, à part l'Éternel Dieu des armées. Personne ne peut te donner de rentrer dans les opportunités, dans les grâces et dans les bénédictions. Seulement l'Éternel Dieu ton roi, le sauveur de ta vie, le sauveur de ton âme. Et comme on le dit, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Alors, si c'est par toi qu'il doit passer pour faire du bien à une âme, que sa volonté soit faite. S'il doit passer pour toi, pour relever un malade, que sa volonté soit faite en ce jour. S'il doit passer par toi, pour faire du bien à un opprimé, à une famille, que sa volonté soit faite en ce jour. Et que cette bonne grâce, et que ces bénédictions surabondent dans ta vie en ce jour. Et qu'il écarte de ton chemin toute forme de malédiction, toute forme de colère, toute forme de tristesse, et que tu demeures dans sa joie à lui, dans sa joie, dans sa paix, remplie de son amour. Et c'est dans cette atmosphère-là que je te souhaite véritablement de passer une excellente et sainte journée avec tous tes anges, couverts par le manteau virginal de notre mère. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi. Thank you.